un privilège que nous ensemble, nous cherchons la grâce de Dieu, nous cherchons la face du Seigneur. Et tout bon moment, que le bon Dieu trouve nous les cœurs ouverts, tout bon l'instance, tout bon situation que le bon Dieu trouve, nous vraiment même peut porter attention, nous vraiment même peut considérer, nous peut considérer lui-même, nous peut apprécier lui-même, nous peut approcher nous de lui-même, et nous peut envie de recevoir de lui-même quelque chose qui est capable de changer nous la vie. Et nous ne sommes pas capables de faire des affaires d'un un rituel, nous ne sommes pas capables de faire des affaires comme une routine. Nous avons besoin pour dans nous l'équerre une vraie soif et une vraie faim pour Jésus. Ce soir, je suis content juste un petit moment pour partager avec vous comment nous étudions dimanche. Comment il est important que nous recevions de Dieu. Et pour nous recevoir de Dieu, bon Dieu, bien trop nous l'équerre. Bon Dieu, bien trouver nous l'équerre. Bon Dieu, bien trouver qu'il y a une vraie la foi dans nous l'équerre. Qu'il y a vraiment une business avec bon Dieu. Qu'il y a vraiment une envie, une touche de Dieu dans nous la vie. Qu'il y a vraiment une envie de servir bon Dieu. Bon Dieu, c'est un plus grand observateur qui est le Seigneur. Le Seigneur, il n'est pas guette nous là ou là-haut, il guette nous dans le profond, nous l'équerre. Il n'est pas juste dise nous d'apprendre quelque chose qui nous fait, mais il juge les sentiments et les pensées de nous l'équerre. Et le Seigneur, il est, et n'a avec nous une communion spéciale avec chacun de nous. Dans l'Apocalypse, quand il dit avec l'Église, le chapitre 3, le verset 20, je crois, il dit comme ça, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il dit, « Si quelqu'un entend et m'ouvre, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça grand bon Dieu là, qui créer l'univers, ce grand monde dans lequel nous pouvons vivre là, mais bon Dieu a envie de gagner une relation personnelle avec nous, avec chacun de ces bons enfants. Comment explique ça? Comment pour expliquer? C'est simple. C'est simple. Comment pour expliquer pourtant, pas trop qu'à expliquer l'intelligence, mais nous qu'à expliquer que nous l'équerre. Bon Dieu, on les gagne avec sur l'Église, avec ce bon serviteur, avec ce bon disciple, il est gagné une communion vivante et continuelle et permanente. Il n'y a pas l'air une interruption, il n'y a pas l'air qu'il y a un blackout, il n'y a pas l'air qu'il y a une rupture, il est gagné une communion avec nous. Quand là, dans sa communion-là, bon Dieu, pour transférer quelque chose en nous. Quand il peut investir quelque chose en nous. Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Je veux dire, nous connaissons quand quelqu'un souper, nous assisons, nous pouvons manger ensemble, hein, nous gagnons communion. Mais dans sa communion avec bon Dieu là, bon Dieu lit pour nourrir nous. Lit pour servir nous. Il peut amener sa nourriture là. Il est là, que ce soit nous vînes l'Église, que ce soit personnellement, que ce soit collectivement, bon Dieu a envie de gagner une communion personnelle avec chacun de nous. Il paraît comme un papa qui a 10 enfants, mais tous ces 10 enfants là, ils ont envie de gagner une communion avec eux, ils ont envie de transmettre sur l'équerre, il a envie de faire pour tous ces enfants-là pareil.
J'ai envie de trouver tous ces enfants-là réussis. J'ai envie de trouver tous ces enfants-là bien. À dire qu'il y a un succès. Bon Dieu, il y a un déquier papa. Il y a un papa pour nous. Et Jésus est venu dire nous, il montre nous le Père. Jésus vient montrer nous le Père. Et montrer nous comment Dieu voulait être intime avec nous, comment Dieu voulait prendre soin de nous, comment Dieu voulait protège nous, comment Dieu est jaloux de nous, comment Dieu lui parlait qu'il l'ennemi vient ravir nous, vient dérober nous. Il a envie de garder nous parce qu'il a envie qu'il nous passe l'éternité avec lui, rassasié de sa présence. Mais ça commence ici-bas. Ça commence ici-bas. Ça commence du moment où nous venons un enfant bon Dieu. Vous connaissez, non, n'y est pas passeuse, pas un principe. Un exemple, où tu es capable, quand vous priez, ou faire répétition, ou faire la prière religieuse. Mais du moment où naît de nouveau, où les cœurs causent avec mon Dieu. Du moment où naît de nouveau, et un contact, et une relation, et une communion avec mon Dieu, que tu vives ou papa, que tu vives ses enfants, que tout quelque chose nous besoin rôde avec lui. Tout quelque chose nous besoin rôde avec mon Dieu. Ça même qu'il a prière, il n'y a pas quelque chose qui existe quand il a dit fait dans nous la case, qui nous priait. Il n'y a pas seulement quand il existe qui nous paie et un problème qui nous priait. Non. Nous besoin continuellement et dans la foi dans nous l'équerre et demande bon Dieu tout ce qui nous besoin. Première affaire qui dit tous me l'équerre, quand tu ressentis la présence de bon Dieu, il dit à moi comme ça. Mais dis-moi ce qui te besoin. Dis-moi ce qui te besoin. Et ça ne choque moi. Parce que bon Dieu peut dire à moi, dis-moi ce qui te besoin et me donne-toi. Et je suis bien besoin. Je suis besoin délivré de la drogue. Je suis besoin délivré de la haine. Je suis besoin délivré de mon sentiment. De comment on va dire? À dire, moi, pas si content la vie. Moi, tiens, dis-moi, je suis député en la vie. Moi, tiens, dis-moi, je suis considéré, moi, je dirais, comme dans ma famille, moi-même, plus dernier. Moi-même, plus dans pince. Mais bon Dieu, il vient, et il touche moi, et il dit à moi, dis-moi ce qui te besoin. C'est un choc. Mais ça montre nous comment bon Dieu, il y a un papa, et il a envie de rencontrer nous et il a envie de rencontrer nos besoins fondamentaux, essentiels. Il a envie d'éteindre la soif nous les cœurs. Il a envie de rassasier la faim de nos âmes. Il a envie de nous combler et il a envie qu'il nous capable maintenant distribuer aux autres. Partager aux autres. Parce qu'un enfant, bon Dieu, qui Dieu ce papa, il y a une richesse, il y a un trésor pour lui partager. C'est pour cela que, quand je peux dire hier, je peux dire comme ça, comment un chrétien capable n'a pas prié? Comment se fait-il qu'un chrétien est capable n'a pas prié? Ça veut dire, il n'a pas dit man bon Dieu non on y est. Il n'a pas dit man bon Dieu non on y est. Ça veut dire, lui, moi, mon cas, à dire, lui, il n'est pas bizarre. Il pas senti, il est bizarre. Il pas senti, il est bizarre grandi. Il pas senti se laver, il est sanctifié. Il pas senti qu'il est bizarre avancer, progresser. Il pas ressenti capable, nous, quand on est religieux, nous, quand on est orgueilleux, nous, quand on croit, nous n'arriver. Mais, plus qu'il nous mange avec bon Dieu, plus nous pour demander. Plus nous pour supplier. Plus nous pour tomber dans ce pied. Plus nous pour implorer. Plus nous prenons le désir pour plaire à lui, pour être agréable à lui, pour être l'instrument de cela, mais, et plus nous pour besoin, dimanche ça, bon Dieu. Non? Vrai, pas vrai? Nous besoin dimanche ça, bon Dieu. Parce que quand nous pour dimanche ça, bon Dieu, ça pour montrer qu'il vrai même dans nous l'équerre,
nous envie, nous désirer, nous les quoi? Nous parler qui, bon Dieu, les juste faire quelque chose pour nous, juste pour nous capables, satisfaire nous tout seuls, mais nous les plaire à sa bon Dieu là. Nous les qu'il fait quelque chose dans nous la vie, quand nous pour capables en retour faire quelque chose pour lui, afin qui le cœur bon Dieu lui comblé. Parce que bon Dieu, il a envie de répandre partout. Il a envie de répandre sur la grâce. Il a envie comment Jésus tous le plus grand nombre possible. Quand Jésus est sur la terre, la Bible dit à nous comme ça, mais ici dans l'écho, il est fatigué. Mais il a tous le plus grand nombre possible. Il parle avec le plus nombre possible de gens, individuellement, avec la foule. Le Seigneur, il est là et Benjamin in gang a porté à cette portée ça les cœurs bon Dieu là capable trouve la face de Dieu et si qui le Seigneur enseigne nous qui le Seigneur enseigne nous à nous 20 coups dans Luc vite nous quelques 5 coups Luc chapitre 11 de verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, quand nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. » Il leur dit encore, verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous lui donne une parabole pour mettre l'emphase encore, comment il a besoin dans nous la vie, il a besoin personnel pour nous, il a besoin pour les autres. Il a man besoin pour nous, il a man besoin pour les autres. Plus grand besoin qui donne nous la vie, c'est que nous sanctifier le nom du Seigneur. Dieu peine sauve nous. Il peine sauve nous, juste pour qui nous capables de gagner quelque chose avec lui. Il sauve nous pour qui, comme le Seigneur Jésus, nous capables de sanctifier le nom de Dieu là sur la terre. Non? Vraiment vrai. Jésus, il sanctifiait le nom de son Père. Il sanctifiait le nom de son Père. Et, qu'il y fait encore? Tu sais qu'il peut dire à nous prier là, il fait un lit. Non? Il amène le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient au travers du Seigneur. Il peine vient établir son propre royaume, il vient établir le royaume de son Père, le royaume de Dieu. Non? Le Seigneur, il y a un vrai fils qui reflète le cœur de son Père, qui transmet le cœur de son Père. Alors, si nous pour prier, nous pas pour prier, pour agir comme si du monde disait, mais nous qu'on prier. Nous pour prier pour nous gagner un résultat dans nous la vie. Pour qu'il bon Dieu exauce nous. Pour qu'il quelque chose passe dans nous la vie. Connais? Le Seigneur. Il se dit comme ça, man pharisien, je te fais longue la prière. Je te éloquent. Man parole. Je te répéter. Je te dis à man affaires. Mais, c'est pas ça qui est important. C'est pas celui la prière qui est important. Mais il y a l'équerre qui vrai, même quand il peut dire man bon Dieu quelque chose, il peut mine ce qu'il peut dire. Il ne peut pas dire que sur la bouche, Seigneur, fais ça pour moi, mais dans ce l'équerre, il ne peut pas vraiment dire ça. Mais entre l'équerre et sur la bouche, et n'a une union, une unité. Vous voyez? Tout quelque chose. Parce que qui fait, quand nous disons comme ça, quand nous disons bon Dieu quelque chose, si me lever grand matin, vous prenez une journée pour passer. Non, on n'y est pas tactique, non, on n'y est pas technique. Mais si grand matin me lever et qu'il m'en a cœur, pour me servir bon Dieu pendant la journée. Je vous dis, bon Dieu, accorde-moi la grâce.
fais-moi servir toi pendant sa journée là. Si moi dans l'intention pour n'a pas laisser moi penser galope n'importe quoi de ça ça, pense n'importe quoi de ça ça, moi pour dire bon Dieu comme ça, Seigneur, fais qui moi capable méditer toi. Fais qui moi n'a pas vienne la proie de toutes autres qualités pensées, moi parle de ça mon là là, moi parle dans mon travail tout ça là, moi qu'avant porter pour toutes autres qualités affaires. Nous pas man di moun religieux, man di moun comme man, hein, mette un linge, soit une manière. Mais nous n'en l'équerre, nous. N'en l'équerre pour bon Dieu. Si nous pas demandons le Seigneur, ah ben, comment nous vous gagnez? Hein? Le Seigneur dit à nous, demandez et vous recevrez. Non? Vrai, pas vrai? Et si nous n'avons pas demandé, est-ce qu'il nous a gagné ça pour nous-mêmes? Hein? Est-ce qu'il m'a capable par moi-même lever grand matin et dire moi robot moi me tourne la clé moi pour aller m'observer le Seigneur. Hein? Adrien mon programmé. Non, parce qu'il ne n'en lâché. Nous en a nous penser. Nous en a toutes sortes de qualités quelque chose qui vient à l'encontre. À cause ça même qu'il m'a besoin prier. À cause ça même qui fait le Seigneur tu dis à prier pour qu'il n'a pas les sacoupes là passent éloignés, passent à côté de lui. Parce qu'il est, il n'a pas tiré à ça. Il n'a pas tiré à ça. Il connaît à tout prix qui, lui, besoin la grâce bon Dieu, besoin de miracle, besoin l'intervention bon Dieu, besoin qu'il le ciel ouvert, besoin que Dieu donne-lui la force qu'il besoin pour y aller crucifier, nous pécher l'eau, la croix. Non? Vrai, pas vrai. Il demande ça bon Dieu. Non? Et lui demande ça avec instance. Lui demande ça avec supplication. Lui demande ça avec des grands cris. Parce que cela moutit dans sur les cœurs pour nous. Et lui peine rater. Lui aller jusqu'au bout. Lui accomplir ce qui est besoin. Pour aujourd'hui, nous capables, libres du péché, nous capables des enfants bon Dieu. Non? Jésus dit extraordinaire. Non? À ce temps-là, vous connaissez, pas besoin d'apprendre à prier dans quelle manière? Qui parole moi pas gagner? Parfois, je me dis, aïe, tu as gagné parole, moi je n'ai pas gagné parole. Mais comment tu as gagné parole, moi je n'ai pas gagné parole? Moi gagné parole, toi as gagné parole. Moi, qui a besoin de causer? Vrai, pas vrai. Nous tous nous donnons l'équerre. Nous capables, chacun se dégré d'intelligence. Nous capables, chacun se manier exprime-li. Mais bon Dieu comprend tout, il comprend le langage du cœur. Ça qui bon Dieu comprend, non? Ça qui bon Dieu prend plaisir. Quand quelqu'un, il est sincère, il demande bon Dieu quelque chose, de tout ce l'équerre, il y a envie, c'est qu'il peut demander bon Dieu, parce qu'il y a un cœur, pour lui plaire à bon Dieu, pour lui faire la volonté bon Dieu. Non? C'est ça que le Seigneur peut dire à nous là. La prière, c'est pas un exercice, c'est pas dire un devoir, mais c'est une nécessité, c'est essentiel. Comment on peut capable vivre sans qui me recevoir de Dieu? Mais me la sert pour prendre le dessus, pour dominer moi. Non? Vrai, pas vrai. Moi, j'ai besoin d'imman bon Dieu. Moi, j'ai besoin d'aller pied bon Dieu. Moi, j'ai besoin de dire bon Dieu, aide-moi. Accorde-moi la grâce. Protège-moi. Dirige-moi. Sinon, moi, la vie, peut-être, moi, la même, moi, pas même, ma journée, moi, pas même, ma semaine, moi, moi. Pour toute situation. Dans toute situation. Et dans ma situation, quand nous demandons, nous recevons. Et dans ma situation, quand nous besoin chercher jusqu'à nous trouver. Et dans ma situation, quand nous besoin tape la porte, insister, parce que nous n'a pas les passe à côté, nous laisser qui bon Dieu n'a pour nous, nous n'a pas les ignore cela, nous on vit qu'un ce qui bon Dieu n'a pour nous, parce qu'il nous envie d'être équipé pour nous servir bon Dieu. Non? Vrai, pas vrai.
Guette le Seigneur qui dit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 points, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir, si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner du pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et non, l'ouvre à celui qui frappe. Comment le Seigneur ou les qui individuellement nous viennent à une maison de prière, individuellement, et collectivement nous viennent à une maison de prière. Et bien la prière qui nous adresse à Dieu, c'est le vœu du cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu et Dieu peut accomplir. Parce qu'il nous pas pour prier nos volontés. Nous pas pour chercher nos volontés. Nous pas pour imposer nos volontés au bon Dieu. Il dit à nous, venez, une expérience, comment Dieu porte nous secours. Dieu porte nous secours. Dieu intervenir dans nous la vie d'un moment spécifique, d'un moment que nous t'y besoin à dire, bon Dieu, trappe nous tiens nous. Bon Dieu, trappe-nous, tiens-nous dans une situation. Et vous connaissez, le travail du Saint-Esprit, c'est justement pour intercède au travers de nous. Pour intercède au travers de nous. Pour intercède pour nous et pour intercède pour les autres au travers de nous. Mais tu peux passer dans une situation qui comme si je suis environné de l'obscurité, je suis senti comme si André m'avait coulé. Je ne suis pas capable. Un grand matin, je me levé, un frère envoyait un message, envoyait un petit texto. Il dit, mon frère, ce matin, moi, avec mon madame, moi, premièrement, et quand on levé, et après mon madame il levé, et nous tous les deux, nous cause avec nos camarades, dire comme ça, et nous prions pour frère Morgue. Nous prions pour frère Morgue. Et quand ils ont envoyé moi ce message là, et quand on lit ce message là, moi trouver comment bon Dieu travaille, comment bon Dieu secourit à nous, comment le Seigneur l'y rend en scène. Comment le Seigneur est venu dans mon moment plus bas de nous la vie, dans mon moment plus difficile de nous la vie, dans mon moment que peut-être l'ennemi peut faire rage, peut qu'on attaque nous, hein. Quand, on dit quand l'orage gronde, quand Satan veut m'assaillir, hein. Qui arrivait? Bon Dieu, lui mettre l'eau, les cœurs qui qu'aiment. Hein. Vous connaissez, parfois, nous, quand on a un moment difficile, bon Dieu, mettez l'eau, les kékikens, pour aider nous, matériellement. Merci Seigneur. Mais quand nous donne une situation spirituelle, quand nous donne l'attaque, quand il y a une situation peut venir l'ennemi, il monte un plan pour détruire nous. Et qui? Dieu levé. Le Seigneur levé. La parole de Dieu dit à nous dans Ésaïe, il dit, lorsque l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en déroute. Quand l'ennemi vient comme un flot pour assaillir à nous, bon Dieu, le Saint-Esprit, il guette ban l'équerre, il trouve ban l'équerre, ban dimoun qui est disponible, ban dimoun qui est attentif, ban dimoun qui est dans l'amour, bon Dieu, dans cette équerre, le Saint-Esprit met ça, met un nom. Mettez un dimoun là où l'équerre,
Et quand vous priez, bon Dieu, il fait un miracle qui intervient. Ça, c'est la famille du Seigneur. Ça, c'est la puissance de la prière. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Parce que qui fait hein? Le Seigneur est nous comme ça, lorsque nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, l'Esprit de Dieu lui-même nous vient en aide et il vient secourir à nous dans nos faiblesses. C'est pas vrai. Hein? Il paraît comment dire, on finit tomber en bas, on finit tomber. À nous dire, on peut respirer ou l'équerre, pas peut respirer, qui qu'un vini, il fait un massage cardiaque avec vous. Elle la prière. Elle la prière de foi, elle l'équerre d'amour. Elle l'équerre d'amour et elle la prière de foi, que ça dit mouna, dans ce moment-là, hein, dans ce moment-là, bon Dieu, il dit, hey, prie pour ça, prie là. Prie pour ça, c'est là. Que tu peux gagner ça? Dans la religion, il y a ça? Oui, il y a ça. Seulement dans la maison de Dieu qu'il y en a. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. C'est une maison de prière qui prie pour prier. C'est une maison de prière. Et la maison de prière, une fois, je me rappelle, c'est une circonstance, c'est une jeune madame qui a associé une débosselie. Et l'in fini en sorcellé, l'in quitte sur la case, il allait avec sa sorcière. Ce maman et ce ma tante, toutes les semaines, je te mets ce genou en bas, je te jeûne, je te prie. Je ramène mon fils, Seigneur. La police peut sanctifier là, partout, dans l'île. Ça bougla, puis tiens-lui ici, mets-lui là-bas, tiens-lui là-bas, mets-lui là-bas. Il peut faire un jeu comme ça. Connais qu'à arriver? Sanctifie là, la police en rodli. Un policier, un récit découvert que tu étais. Allez, à Tchali dans la case là. Et sa tifila, lui répandit, lui revine vers le Seigneur et lui mariait avec sa policier là. Dieu est un Dieu de miracle. Lui écoute la prière. Lui écoute la prière. Nous bon Dieu, lui peine bon Dieu avec plate. Lui peine bon Dieu avec zimars. Il y a un bon Dieu qui est vivant, qui tendait, qui exaucer, qui intervenir selon son bon plaisir. Hein? Vrai, pas vrai? À cause ça même qui nous chrétiens, nous pas quand même vivre la vie religieuse. Nous aller, grand matin, nous lever, nous aller, nous vivre la vie, nous choses. Et puis, quand nous prier. Mais non, nous visons à l'écoute des cœurs bon Dieu. Vrai, pas vrai? Nous visons à dépendre leur Dieu. Comment nous capables? Comment vous pouvez réussir si vous pas dépendre le Seigneur? Comment vous pouvez tenir si vous pas dépendre le Seigneur? Comment vous pouvez arriver si vous pas dépendre le Seigneur? Comment vous pouvez protéger si vous pas dépendre le Seigneur? Tout quelque chose, vous avez dit, mon bon Dieu. Tout. De moi, mais frère, moi, j'ai mangé, moi, j'ai tout. Je dis, mon bon Dieu, mangé. Bien, moi, tu as mangé. Portant un peu avec les autres. Non? Mais, Dieu, bon Dieu, donne-moi un peu de nourriture de toi, mon cas donne les autres. Parce qu'il m'a dit, vous avez besoin de la nourriture de Dieu. Non? Vous avez besoin de ressentir le cœur de Dieu. Vous avez besoin de toucher le cœur de Dieu. Vous avez besoin de trouver comment vous êtes misérable, comment vous êtes perdu et comment vous avez besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, qui faire à chaque fois que l'Église, vrai même, l'Esprit Saint commence tous les cœurs man dimoun, et la man dimoun qui priait pour man serviteur bon Dieu, priait pour man situation, priait qui pas faire publicité, priait, et bon Dieu, il écoute la prière. Bon Dieu, écoute la prière. Bon Dieu, écoute la prière de maman pour ses enfants. Bon Dieu, écoute la prière de papa pour ses petits-filles. Bon Dieu, écoute la prière de man juste et la prière du juste
il y en a une grande efficacité. Non? Vraiment vrai. Une grande efficacité. Qui fait ça, l'efficacité là, c'est qui y agir. Bon Dieu agir. Bon Dieu intervenir. Bon Dieu fait un miracle. Bon Dieu fait un miracle. À cause de ça même que le Seigneur, il enseigne nous, il dit, jamais je te relâche dans la prière. Jamais je te décourage. Jamais, il dit, bien, il enseigne, là, il peut dire, là, ça, cet homme, ce ban jamais venir, il peut l'annoyer pour donner autres. Il peut l'annoyer pour donner autres. Comment il est brillé? Il est allé, il y a un côté voisin, tape la porte, tape la porte, tape la porte. Il dit, donne-moi quelque chose. Il a dit, moi, il vient côté moi, qui m'a pour faire? Moi, besoin de nous autres manger avant de t'aller dormir. Moi, pas qu'aller les autres dormir, vont vide. Moi, besoin de nous autres manger et puis il a mangé côté moi. Tapez, tapez, pour que là, fait son mal, il peut dormir. Il tape même. Il passe par derrière, comme ça. Il ne sait pas encore si l'animé a bien animé. Il peut tout l'animé, animé. Il dit, il peut-être un petit, il peut pas dormir. Il dit, moi, tapez, tapez, tapez. Il dit, même, parce qu'il est mon camarade, il n'est pas pour ouvrir parce qu'il est mon camarade, mais parce qu'il est tellement mon tapé, il n'est pas pour dormir, il est pour ouvrir. Hein? Mais bon Dieu, pas comme ça, dit. Bon Dieu, pas dormir. Vous tapez, bon Dieu, vous allez dormir, on dit. Bon Dieu, bien éveillé. Non? Mais bon Dieu, guettez ou l'insistance? Vrai, pas vrai? Il guette tous les quais. Il guette, je pas moi insister. Ou ça, on est venu dire, donne-moi, après, dire, pardon, mon papa est gagné, moi, allez-moi. Hein? Non! Il dit comme ça, il tape, tape, jusqu'à Bouglan reste ouvert, et il donne lui, hein? Il donne lui du pain. Et les là, le Seigneur dit, et moi, je vous dis, demandez, et vous recevrez. Amen? C'est là qu'il dit à nous, là, le Seigneur. Non? Il dit à nous, demandez, et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Mes frères et sœurs, c'est dans quelque chose que nous, l'Église, nous besoin. Nous besoin la puissance du Saint-Esprit pour nous capables de rencontrer besoin des autres. Non? Vrai, pas vrai? Qui ça pour tu peux roder? Tu peux roder, manger pour donner ça du monde qui ne vient côté lui là. Et nous, qui la Bible dit à nous, nous sommes là. Nous avons le pain du ciel. Non? Nous avons Jésus, le pain du ciel. Nous avons l'eau de vie. Pas l'eau de vie qui va dans le restaurant, là. Mais l'eau de vie qui satisfait l'âme de l'homme. Non? Qui est calmée sur la soif. Jésus dit, je suis l'eau de vie. Hein? Je vais pas faire comme ça sous l'or, là. Il dit, je vais boire Jésus, là, moi, l'eau de vie. Mais nous avons l'eau de vie, frères et sœurs. Non? Il dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandez. Parce que si vous pas demandez, vous dites, oh, papa, il a soif. Non? Quand Jimon a soif, qu'il fait? De l'eau! Guédez ban film là? Dans les airs, de l'eau! Hein? Il trouve un mirage, tu crois une gagne, puis il a guédé des mirages, ça. Hein? De l'eau! Mais quand nous soif, non? Nous vous demandez. Et quand nous demandez, bon Dieu vous donne nous. Nous besoin, frères et sœurs, nous besoin la puissance du Saint-Esprit pour nous rencontrer tout bon besoin qu'il y a dans ce monde-là. Oui, bah oui. Hein? Pour celui qui tourmenté par un démon, qui nous parle faire? Nous parle d'un lit de livre du riz? Hein? Une bouteille de l'huile? Il n'y a pas besoin de bouteille de l'huile. Il n'y a pas besoin de livre du riz. Il y a besoin de délivrance. Non? Vrai, pas vrai. Et comment nous pouvons faire ça? Celui qui est malade, qui, bon Dieu, a envie de guérir, quand nous pouvons faire ça, raison là, pour nous donner, pour la puissance du Saint-Esprit. Mais vous devez nous gagner soif de ça, vous devez nous demander, bon Dieu.
Et un chrétien qui met tous les autres genoux qui pendant les temps et les temps, il dit, Seigneur, fais-moi venir un vrai témoin dans sa nation-là. Servis-moi comme à ton envie. Remplis-moi comme à nous sentir, remplis-moi de ton esprit. C'est ça qui nous peut assoiffer, c'est ça qui nous peut gagner faim. Ou soit nous viennent là, viennent un petit peu plus meilleur, elle là vient un peu plus cosy, elle là vient un peu plus cool, man chrétien un peu plus sophistiqué, hein, mais porte le cœur de Dieu et n'en prie pour payer. Amen. Porte le cœur de Dieu et n'en prie pour payer. Verset 14, dit-nous, Jésus chassant un démon qui était muet, lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Ça veut dire, Jésus, tu rencontrais sa manne besoin là. Non? Vrai, pas vrai. Quand tu rencontrais sa manne démon qui dans sa manne besoin spécifique là, le Saint-Esprit t'y manifestait au travers des lits. La Bible dit à nous, Dieu t'y oint Jésus d'Esprit Saint et de force, et il t'y a de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Vrai, pas vrai. Non? Ne pas lire quelques grands miracles pour qu'il nous gagne grand l'Église. Mais nous lire qui bon Dieu servit nous pour qu'il se nom glorifié, pour qu'il man dimoun sauvé, pour qu'il man pauvre enrichi, pour qu'il man dimoun délaissé, abandonné, désespéré dans détresse, d'être capable, goûte à l'amour bon Dieu. Vrai, pas vrai? Ça, viens nous, les cris de nous l'écrire. Le cri de nous l'écrire, il dit, mon frère, mais moi, mon simple chrétien, mon fait connaître le Seigneur, mon chose, mon, qui m'a pour faire, qui m'a besoin d'apprendre. Mais, quand ouvert l'écrire avec le Seigneur pour faire ressentir qui a besoin. Et quand on dit, man, ni ce qui a besoin, les bouts de nous, ce qui a besoin, et on est capable de servir bon Dieu de tout l'écrire. Amen. Connais, Dieu, il est simple, il n'est pas compliqué, il est simple, parce qu'il connaît tous les cœurs, il connaît toute l'adresse. Bon Dieu, il a l'adresse de tout le monde, c'est pas vrai. Bon, enfin, nous posons une question, mais le Seigneur va-t-il dire avec ça, avec un seul bon disciple, tu as dans tel cimé, appelle tel nom, il dit comme ça, là-bas, tu peux qu'il y il peut gêner, prier, mener un plan pour lui, sur la vie. Non? Dieu connaît. Bon, Dieu connaît comment vous servir nous. Il connaît quand vous servir nous. Mais seulement, nous besoin prier. Dieu, bon Dieu, vous devinez un instrument. Hein? Vrai, pas vrai? Vrai, pas vrai? Hein? Qui le jeune Jean, Patra Kasli, sur l'avenir, ou qui tu Philippe ou Morier? Qui la jeune fille pas tracassée, qui s'en a voulu lui de moléquer, qui va arriver moi. Mais, laisse Jésus prendre place qui vient de la vie. Hein? Laisse le Seigneur, moutou, m'en a périllé. Laisse le Seigneur prendre soin de toi. Vigne un servant du Seigneur, un serviteur de Dieu, les restes poursuivent. Vrai, pas vrai? Parce que Dieu lui fait les choses dans l'autre. Amen. Mais quand vous parlez la même là, nous pouvons prier le Seigneur, demande le Seigneur sur la grâce, en colonne la vie, comment nous les servir, comment nous les répondre sur l'appel. Alléluia. Merci Seigneur.